Salut les amis, bienvenue sur Favorite TVHD, la chaîne des pronostics sportifs 100% gratuits. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous ceux qui me suivent et qui mettent un pouce sur ma vidéo. Je vais vous donner mes pronostics pour le championnat de la Vyschaïa League de ce vendredi 17 avril et je m'excuse par avance si j'écorche le nom des équipes. Je commence avec Belchina Bobruisk contre FC Smolevitchi. Belchina Bobruisk est 16e et dernier du classement. Il a perdu tous ses matchs excepté le dernier du 10 avril qui s'est terminé par un match nul face à Neman Grodno. Concernant FC Smolevitchi, il est 15e au classement. Le dernier match qu'il a remporté date du 31 janvier en Club Friendly Games face à Vitebsk. Et depuis le début de la Vyschaïa League, il a commencé par un match nul face au Dynamo Brest, puis il a enchaîné les défaites pour terminer par un match nul avec Shakhtar Soligorsk ce 12 avril, où on a pu voir une pluie de cartons jaunes pendant ce match. Leur dernier face-à-face date de l'année dernière, et on peut voir qu'il n'y avait pas de régularité sur les chances de victoire. Mais on peut retenir qu'au moins un but est marqué à minima, et actuellement, le facteur forme est plus en faveur de FC Smolevitchi qui a plus d'expérience à mon avis. Alors mon pronostic sera FC Smolevitchi gagnant ou match nul coté à 1,48. Vu que c'est des bas de classement et qu'ils n'ont plus de raison de forcer pour remonter dans le classement, je préfère sécuriser le jeu. Pour le deuxième pronostic, c'est Shakhtar Soligorsk face à FK Sluk. Shakhtar Soligorsk est 12e au classement. Le seul match qu'il a gagné date du 28 mars face à Gorodeia. Les joueurs ont du mal à trouver leur place et pas de constance dans leur jeu. Concernant FK Sluk, il est 3e avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite dans cette ligue. Un peu de mou lors de sa confrontation avec Islok, mais je pense qu'il peut y avoir un regain d'énergie pour ce match. En face à face, Shakhtar a battu 5 fois FK Sluk et 1 défaite en avril 2018. La plupart des bookmakers ont tendance à donner Shakhtar gagnant. Pour mon pronostic, je tente FC Sluts gagnant avec un avantage d'un but coté à 2,65. Je sais que c'est osé, mais je pense qu'il y a de fortes chances. Concernant mon combiné, pas de surprise. Je reprends mes deux pronos, ce qui donne une cote de 3,92. C'est plutôt pas mal si cela passe, et je le souhaite. Je rappelle d'être prudent sur les mises encore plus que d'habitude dans ce championnat. On a beaucoup eu de surprises. A bientôt les amis pour les prochains pronos et n'hésitez pas à vous abonner.